Nathalie, à la foire de Trône. Un petit peu essoufflé. Ah non, pas du tout, parce qu'on a eu beaucoup de blessés, ce que les gens oublient. On a beaucoup de personnes qui travaillent aussi, donc, et aussi beaucoup de personnes qui vont dans les appels nationaux partout en France. Mais le mouvement, non, il ne s'essouffle pas, je ne pense pas. Parce que sinon, l'État politique, mafiosiste, corrompu, Castaner, Macron, puis toute sa clique, n'aurait pas, avec la complicité du nouveau préfet de police, qui obéit aux ordres de Castaner au lieu de penser à ses propres hommes, à la police nationale, hein, qui quand même, c'est hallucinant, réagirait pas comme ça envers nous. Et aujourd'hui, par rapport à ce week-end, les élections européennes, vous attendez quoi de ces élections? Moi, franchement, aïe, je vais pas aller voter, aïe, j'attends rien, parce que moi je suis pour sortir de l'Europe, je suis pour qu'on bloque les frontières, voilà, bravo, c'est notre pays, bravo. C'est la France. Mais j'ai un grand respect pour tous ceux qui sont des petits partis politiques, parce qu'ils font pas mal de choses aussi à côté. Je suis pour, quand même pour cette convergence des luttes et des classes sociales. Donc tout sert, mais bon, arrive à un moment... Et ceux qui, en fait, le parti des Gilets jaunes qui se présentent aux Européennes, ils n'entendent pas? Alors là, je comprends pas. Justement, on veut pas, on veut sortir de l'Union Européenne, pourquoi te présenter? Tu vois pas la terre. Bonjour, merci. Je vous en prie. Merci. Ouais, manège, ouais, tu peux...